Alors aujourd'hui, on est le lundi 10 août et donc nous sommes à J-7 du déménagement. Ah, bah vous déménagez? Bah, bah, oui. Alors là, je vous donne un coup de main. Oh, bah, ah non, parce que le déménagement, moi, je connais ça parce que je vous jure que ça va aller vite. Hein. Oh, bah, il y en a qui feraient venir des déménageurs pour un petit travail comme ça. Hein. On verra ça nous-mêmes. Non, c'est ça. Nous sommes Christophe, Lorraine et nos loulous Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanouis. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loups. Alors en fait, les enfants ont commencé hier à faire leur carton de jouets. C'est un petit peu dur pour Louis, mais bon, Diane s'y fait très bien. Il faut juste être un petit peu derrière eux pour les aider. Donc ça y est, ils attaquent, ils ont retiré les posters. La chambre est un petit peu sans dessus dessous, mais c'est normal, hein, c'est le déménagement. Donc il y en a un petit peu partout. Nous, on a trouvé donc le lit de Diane. Diane est aujourd'hui en train de le poncer. On prépare notre recherche de fournisseurs d'électricité. On s'est fait un beau tableau avec toutes les démarches qu'on doit faire afin de ne rien oublier. Quoi d'autre? Lorraine est partie ce matin chercher des fauteuils pour notre salon, donc des fauteuils qui appartiennent à ses parents mais qui étaient chez sa sœur, donc elle est allée les récupérer. Et puis on avance, voilà, donc aujourd'hui c'est vêtements, tri, rangement dans les cartons, on n'a pas grand-chose mais il faut quand même le faire. Allez, c'est parti! Alors ça y est, c'est fini, Diane? Oui, mon lit. Et après, l'étape, c'est quoi? C'est de le peindre, et j'ai vraiment hâte de le peindre. Alors aujourd'hui, mardi, nous sommes à J-6 du déménagement. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà souscrit à notre fournisseur d'électricité, donc ça c'est bon, on l'a trouvé. On a pris de l'électricité verte chez le fournisseur où nous étions avant. En plus, il nous a fait une jolie fleur commerciale pour notre retour, donc ça c'est super sympa, on apprécie. Donc merci à Équateur. Nous sommes aussi en train de trouver notre fournisseur internet, donc ça c'est un petit peu plus difficile puisque le téléphone n'est pas encore mis en place là-bas, enfin bref, on est en train de chercher. Sinon, Diane a fini de repeindre avec Papy et Lorraine son lit, donc une jolie couleur verte. Nous on trouve ça plutôt flashy et sympa, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, elle est ravie. On continue les rangements, les cartons, les vêtements, et puis il y a les gentils voisins qui nous ont donné un magnifique sommier, donc ça sera pour nous, donc c'est super gentil à eux, merci. Voilà, on avance. Les jeux, tout ce qu'il y avait dans cette armoire là, j'ai retrouvé encore ici. Tout ce qu'il y avait aussi dans cette boîte là. Donc t'es presque prêt? Oui. Aujourd'hui, mercredi, J-5 avant le déménagement. Hier, Diane est allée voir ses cousines pour s'amuser avec elle. Lorraine a travaillé, elle est allée rechercher aussi une couette, des poils, donc tout ça on le trouve sur le bon coin. Louis a fait des cartons dans sa chambre, donc ça y est, il a plié tous ses doudous, il a eu un petit pincement au cœur de les mettre dans un carton, mais bon, parce qu'il y tient beaucoup. Mais il a réussi à mettre finalement toutes ses peluches, il a trié les BD, ses Lego. De mon côté, j'ai enfin trouvé un fournisseur d'accès internet. C'est pas facile parce que la maison où on va être logé, en fait, a été en travaux pendant 2 années suite au décès de la personne précédente. Les lignes ont été totalement résiliées, etc. Donc il a fallu réactiver tout ça, ce qui n'est pas évident. On était inexistant en termes d'adresse ou inexistant en termes de numéro de téléphone. Il a fallu mener une petite enquête là-dessus pour trouver les informations. Finalement, on s'en est sorti au bout d'une après-midi. Voilà, donc ça c'est bon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la cave, donc tous les cartons qu'on avait stockés temporairement. Alors on a l'impression d'avoir beaucoup d'affaires comme ça. En fait, effectivement, on avait tout vendu. Donc non, sachez qu'on n'a pas beaucoup, mais on les a un peu éparpillés. Donc c'est pour ça qu'on a réservé un camion pour vendredi, pour aller récupérer donc chez ma sœur et chez le frère de Lorraine, les affaires qu'on avait mis temporairement dans leur garage. À titre de volume, il y a quand même un buffet auquel on tient, et puis secrétaire, bureau de mon grand-père. Sinon, c'est que des cartons, des BD, des petites choses comme ça. Un petit peu de vaisselle, notre vaisselle de mariage. Il faut quand même aller faire le détour pour récupérer tout ça. Et puis, c'est vrai que le volume monte, puisque finalement, on achète des lits aussi sur le bon coin, des matelas, on nous passe des sommiers, on récupère un frigo. Bref, j'espère que tout rentrera dans le camion. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de rangement et de carton.
Aujourd'hui, jeudi, nous sommes à J-4 du déménagement. Regardez-moi ce beau t-shirt un peu, la French Touch. Et en fait, les poêles qu'on devait acheter hier, elles n'étaient pas du tout faites pour l'induction, même si la vendeuse nous affirmait que oui, donc on a essayé, ça ne marchait pas, donc on les a rendues. Du coup, je vais aller acheter des poêles, parce que c'est la dernière chose qui nous manque. On a les casseroles, on a tout ça, mais il nous faudrait quand même quelques petites poêles. Je vais aussi donner des vêtements, je ne sais pas si vous voyez derrière, voilà, donc malgré le fait qu'on soit ici que depuis un an, on a encore accumulé des vêtements. On a l'habitude maintenant de vivre avec moins de vêtements, donc on va les donner à une recyclerie. Allez, c'est parti. Bah, je pense qu'on est dans les temps. On est dans les temps, d'ailleurs. Aujourd'hui, vendredi, J-3. Les affaires sont quasiment toutes rangées dans les cartons. On va chercher le camion. Samedi, J-2, on est dans le camion de déménagement, on a déjà chargé hier la partie qui était chez ma sœur, on a pu récupérer essentiellement des cartons, un petit peu de vaisselle aussi, une petite étagère, des petits meubles par-ci par-là que nous donnent ma sœur et son mari. Et là on est parti pour aller récupérer le lit de Louis, et puis ensuite nous allons enchaîner pour aller dans la maison du frère de Lorraine. Pour récupérer la fin de nos affaires. Une bonne journée parce qu'on a un gros buffet à porter. Et ça, eh ben, on espère que ça va aller avec les planches, les diables, etc. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, le deuxième chargement est terminé. On a réussi. On a réussi, c'était un vrai défi parce qu'on a un buffet qui est vraiment très très lourd et on n'était que deux, mais voilà, on voulait y arriver et on s'est dit si jamais on n'y arrive pas, tant pis. Et sur les derniers mètres, le plus lourd en fait du parcours, parce qu'il y avait un petit muret à franchir, heureusement, miracle, deux inconnus, deux randonneurs passent, nous proposent leur aide. En plus, lui était assez costaud, assez costaud. Plus costaud que moi. Et voilà, on a pu le mettre dans le camion, maintenant c'est bon. Tout y est, deuxième chargement, fini. Dimanche, J-1. Aujourd'hui, on va récupérer un lave-vaisselle en fait. Des amis nous ont donné, donc hier soir, on les a vus, ils nous ont donné leur lave-vaisselle qu'ils avaient en trop, puisqu'ils en ont deux. Il est quasiment neuf, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On comptait pas forcément en avoir un, mais ils nous le donnent. Alors, on va le chercher et après, on charge les derniers éléments donc, qui sont actuellement chez nous, à savoir machine à laver et puis toutes nos affaires, les jouets des enfants. C'est parti! Il est 19h, on a tout rempli, tout est chargé, tout tient dans 20 mètres cubes. Voilà. On est trop contents, ça y est, tout est rentré. Maintenant, apéritif parce que demain, on se lève tôt. 9h, on est parti. Voilà. À demain. Alors ça y est, il est 17h et donc on a fini de tout décharger. On a un petit peu lessivé, Lorraine est partie faire quelques courses pour manger ce soir et puis demain. Tout est fait, tout est en place, placé dans les différentes pièces. Vous voulez visiter? Je vous emmène? Allez, à la prochaine fois. À bientôt dans la prochaine vidéo. Allumer le feu. Et là, c'est super. C'est on n'a pas fermé le lourd. Ah merde.